Allez, salut à tous, c'est Nixos et on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 13, pardon, 13, 13, 13 sur Nixos World. Et aujourd'hui, donc, j'espère qu'on va pouvoir décoller pour la Lune. En tout cas, quelques petits changements par rapport à la dernière fois. Ici, j'ai raménagé des machines. J'ai fait fonctionner ça, je vais vous expliquer comment ça marche. Et j'ai, on va dire, pas fini, mais j'ai. Tenter d'augmenter un peu l'architecture de ce bâtiment-là pour le haut, parce qu'on voyait dépasser les éoliennes, c'était pas fou. Donc je vous montrer vite fait ce que j'ai fait. Alors je suis pas sûr, hein, j'ai tenté des trucs. En gros, j'ai fait une espèce de petite haie comme ça, parce que je sais pas si vous vous rappelez, mais j'avais remis une haie d'éolienne là. Du coup, j'ai fait une espèce de petite. Voilà, une espèce de petit pic comme ça, avec une petite fenêtre au milieu. Voilà. Je vous montre rapidement, hein. Et j'ai fait ça des deux côtés. Bon, je me suis dit pourquoi pas. Donc voilà pour ça. Et aujourd'hui, on va donc essayer de finir. Alors par contre, je vais poser ça là-dedans. Parce que j'ai pas mal de blocs du coup. Je vais poser ça là aussi. Hop, donc on va essayer donc de finir tout ce qui est Galactic Craft. Donc Galactic Craft partie 2. Évidemment, bien sûr, évidemment. Donc, je le rappelle, pour la lune, il nous faut donc tout ça qu'on avait déjà. Alors ici, il nous faut un ustensile, on va le faire, je sais pas trop à quoi ça sert. Voilà, c'est un frequency module. C'est tout con à faire, faut juste aluminium, iron, repeater et basic wafer. J'avais fait de quoi le faire. Donc, j'avais fait de quoi le faire. Mais alors, où c'est? Alors j'ai de l'aluminium, j'avais du fer, je sais pas où il est. Pourtant j'étais sûr de l'avoir fait. Ah bah c'est là. Iron. Truc, donc ça j'ai mes réserves de fuel, je vais vous montrer comment ça marche. C'est vraiment pas très compliqué. Par contre on va juste aller vite fait dormir parce que pour le coup c'est pas fou la pluie. Et évidemment, enfin. Bon, y en a que ça choquera pas, enfin j'ai pas d'usine à mob ou j'ai pas de trucs comme ça. Et du coup ça fait quelques épisodes vu que je suis juste en mode architecture et autres. Je suis en easy. Je joue en easy. En peaceful pardon, j'ai pas de monstre parce que bon bah, vu que je fais juste construire des trucs, ça sert à rien de me faire chier avec des mobs. Mais pour la lune, vous inquiétez pas, on va repasser en mode vénère. Donc alors diamant, non, il me faut de la redstone, un basic wafer. Il était là. Je crois que c'est tout. Ouais, ça a l'air d'être tout. Alors, on a un d'aluminium, deux de fer, un repeater. Donc, je vous avoue, je sais pas du tout à quoi ça sert. Je vous avouerai, je vais pas vous mentir. Mais écoutez, il y a marqué quoi? Can receive weak soon waves. In distant signal. Donc bon, je sais pas ce que c'est, mais s'il y a un emplacement pour ça, pardon, c'est que ça doit être utile. Donc voilà. Donc, qu'est-ce qu'il nous faut d'autre pour aller sur la Lune? Il nous faut donc la fusée, on l'a. Et il nous faut forcément du fuel pour faire la fusée. On va monter en haut, pas de fusée. Ok, et il nous faut du fuel. Et du fuel, ça se met dans des empty liquid canisters. Via une raffinerie. Et à la raffinerie, en fait, c'est tout con. En gros, on prend. Alors, j'ai pas de. Je vais avoir un saut là-dedans. En gros, j'ai pris mon portable tank. J'ai été chercher du pétrole. Je l'ai rempli. Et en gros, je prends un seau d'eau. Je le mets ici. Et ça remplit. Ici, ça remplit le. Merde. Ça remplit tout simplement la. La. Mince, comment ça s'appelle? Le tank, voilà, ça remplit la capacité de d'oil et ça le refine en fuel. Et après, on peut tout simplement remplir nos. Hop, remplir nos liquides canisters. Donc c'est tout con, c'est vraiment tout con. Par contre, j'ai mis plusieurs fils comme vous voyez parce que ça demandait pas mal d'énergie. Et pour que ça reste à 50, j'en ai mis 3. Après, il y a des câbles améliorés, j'ai eu la flemme de les faire donc. Donc, balai, hein. Et donc ensuite, pour mettre l'essence dans notre fusée, il va nous falloir un fuel loader. Donc un fuel loader, ça se fait comme ça. Alors j'ai fait du compressed steel. Voilà. Alors on va juste prendre des cannes.
Tac tac. Alors, il est où? Tuc, 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 fuel loader. Donc, il nous faut un basique. Ça, c'est de l'aluminium, il me semble. Et du steel. Et un canister. Voilà. On a notre fuel loader. Et là, normalement, notre fuel loader, on peut le mettre à côté directement. Et voilà, vous voyez que ça fait un lien. Et en gros, fuel loader, en gros, non, si j'ai bien compris, on met juste ça là-dedans. Et ça remplit. Alors par contre, not enough power parce que je n'ai pas d'énergie. Alors, va falloir que je tire un câble. Est-ce que j'ai... Il me reste des câbles et 59. Ok. On va passer par ici. Non, pas par ici. Alors attendez, je réfléchis par où on va passer du coup. Parce que pour le coup, c'est pas évident. On va se remettre en chauve-souris. Parce qu'en gros, au centre, je peux pas. Le truc, c'est que vu que j'ai rattréci la taille. Ouais, ici, j'ai commencé vite fait. J'ai pas fini. En gros, je voulais juste mettre des abyssal blocks histoire que ça fasse une plateforme. Ok, bah au pire, ça va faire complètement moche, mais c'est pas grave. Franchement, c'est pas grave. Hein. On va juste se caler en dessous. On va juste avancer un peu. Merde, le con, pas ça du tout que je voulais faire. Je vais y arriver. Ok. On va descendre tout en bas. C'est pas grave, on va faire ça. Hein. On cassera plus tard le fil. Bah, du coup, on peut peut-être passer par en dessous. Alors, par contre, il va falloir que je trouve le fil. Il est là. Donc. Il est ici. Encore un. Tac. Ok, on va faire un truc pas super worse. C'est pas grave. On me dit au pire, on l'enlèvera. Hein. Ok, normalement là, ça devrait marcher. Ça doit faire pas très beau de loin, mais bon. Ça, c'est pas grave. Et donc là, voilà, l'énergie se stocke. Et normalement, load fuel. Ok, normalement, ça devrait. On va juste remplir ça. On va mettre masse. L'énergie a l'air de se stocker pas mal. Bon bah écoutez, je sais pas trop comment ça marche. The fuel loader fuel tank. Ouais, je sais mais. Statut actif. Bon, écoutez, je sais pas trop. On va laisser ça faire. On va. Est-ce que j'ai mis tout? Ouais, j'ai tout mis. On va laisser ça faire. On verra comment ça se passe. Mais maintenant, vous allez me dire, tout est prêt. Mais non, parce que quand on arrive sur la Lune, il faut respirer. Et pour respirer, il va nous falloir donc des oxygènes collecteurs et des oxygènes compresseurs. Donc voilà, on va faire ça aujourd'hui. Donc il nous faut déjà celui-ci. Donc il nous faut ça. Il nous faut ça. Donc ça, il en faut pas mal. On va en faire deux pour l'instant. Ok. Ensuite, pour ça, il faut. Il en faut un. Il faut une canister. Il faut. Non, pas de l'alu, du tin. Du tin et du steel. Ok, on a ça. Ensuite, il va nous falloir ça. Donc ça, c'est facile à faire. Et ça. Ok, donc hop hop un ventilo et ensuite il nous faut un espèce de truc là, un oxygène vent. Ok, tac 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 tac, donc voilà, bah, c'est bon, j'ai tout pour le faire. Donc on met ça, on met ça, on met ça, on met ça tranquillement, posément au fond, et on a notre oxygène collector.
Donc on va le poser ici. Donc là on a notre oxygène collector qu'on va devoir alimenter. D'ailleurs on peut l'alimenter tout de suite je pense. On va juste casser ça. Ok. Tac, tac. Ah oui d'accord, l'énergie passe par l'autre côté. Alors on va le mettre dans l'autre sens. Ok, donc là ça se charge, c'est parfait. Et maintenant, il va nous falloir un oxygène compresseur, mais aussi des EV, enfin des oxygène tanks, mais on va faire directement le EV, parce que c'est tout qu'on va faire. Et c'était pour ça qu'était utile la laine rouge. Alors, je sais pas si on s'en fait que deux, en fait, au final. Donc, il nous faut ça, il nous faut ça, hop, et ça. Ok, je peux pas en faire une deuxième. Alors, comment on faisait les tins déjà? Comme ça, je crois. Non. Ah, sinon, oui, non, ouais, je sais. Du tin. Tac, tac, tac. Voilà. Ok. Hop. Hop. Et hop. Ok, on en a deux. C'est parfait. Mais maintenant, il nous faut un oxygène compresseur. Donc là, il nous faut du bronze. Compresser de bronze. Et il nous faut un truc comme ça. Donc, ça devrait le faire. Alors. Tac, tac. Un comme ça, un comme ça. 4 de style, c'est parfait. On a notre truc. Et il nous faut maintenant un de bronze. Encore du style. Masse style quand même, il en faut la masse. Faut vraiment prévoir beaucoup. Et on a notre oxygène compresseur. Donc là, si je me bourre pas. Je mettrai bien comme ça. Pas du tout. Alors si, non, pas ça que je voulais faire. Si je fais ça, donc là, il alimentait, ok. Mais là, il faut les relier. Alors, je sais pas comment ça marche. Alors là, je vous avouerai que je ne sais pas trop. Not enough oxygène, ça j'ai compris. Ça j'ai compris, mon petit pote. Par contre, c'est comment je récupère l'oxygène de là à là. Alors, on va regarder vite fait ce qu'il y a comme truc là-dedans. Est-ce qu'il n'y a pas. Glowstone torch, oui, ça... ah ça doit être ça, oxygen pipe, ok. Ah il nous faut juste des panels, bon ça là c'est tout qu'on va faire, je sais pas si c'était la frite. Des panels. Ah bah j'en avais fait de toute façon. Ouais j'en avais fait. Je me rappelle. Je me disais bien. Et boum! Et là on a masse truc, et là normalement. C'est censé se remplir, voilà ça se remplit. Ok c'est pas rapide hein. C'est pas fou. C'est pas fou mais c'est toujours ça. Alors on va juste voir la raffinerie, on va lui pomper un peu plus d'énergie. Alors je sais pas du tout combien de fuel il faut, je vous avouerai. J'ai pas trop regardé. Vraiment je me suis renseigné un minimum, mais pas un max, enfin pas beaucoup, histoire de pas me spoil et d'être vraiment faire des découvertes sur le sur la lune en fait. Donc concrètement j'espère que ça va être bien. Tac tac et tac. Ok. Là, il y en a masse. Il reste trois petits traits, donc je sais pas trop. Ah oui. F. Ok, d'accord. Le tank est complet. Comment je sors? Ok. Donc là, j'étais rentré dans la fusée. Plutôt stylé. Donc, il va juste falloir qu'on attende. What? Ok, j'ai pas compris ce qui s'est passé là. Oui. Ok. Ah mais c'est là. Attendez. C'est là-haut. Ah, il y a la barre qui se charge. Ok, alors je comprends pas ce que c'est.
Vrai. C'est pas grave, on s'en fout. Ok, ma première va être pleine. Alors je sais pas trop combien de place ça prend, enfin combien de temps ça dure plutôt. Par contre, le bruit commence à être chiant et je peux pas l'enlever, donc bon bah tant pis. Alors je vais juste aller vite fait chercher des fleurs rouges. On va peut-être se refaire une autre canne, une autre un peu plus d'oxygène parce que je sais pas du tout combien de temps ça dure, donc histoire de rester un maximum. Alors il se passe des trucs, ça explose, il y a des bruits bizarres. What the fuck? What the fuck un peu, hein? La lune, c'est là où on va aller bientôt les gars. Alors, on a besoin de laine. 3 de laine et le style j'en ai assez. Quelles sont mes fleurs là? Oh, à la limite, je pourrais m'en faire deux même. À l'extrême limite, on va hop, hop, se faire 6 de laine. Non, j'ai pas de canne. Non! Putain, le con! Oh, putain, le con! Bon, bah, j'en fais qu'une, c'est pas grave. Ah, fuck. Fuck, fuck, fuck. J'ai été trop vite, je sais pas ce que j'ai fait. C'est extrêmement chiant le bouquin, je vais pas vous cacher. Ça commence à me saouler un peu. Ça doit être sûrement être le fait que je suis en... Je sais pas. Je comprends pas. Donc... Elle doit être full du coup, je suppose. Air remaining 2700, d'accord. Et donc là, il faut les mettre ici. Et là, on peut respirer, très bien. Alors, pour le coup, je vais peut-être aller me faire une petite armure vite fait. On va vite fait se mettre, parce qu'il y a des monstres et tout. Alors, faut être prêt. Alors, je sais pas, parce que là, il y a une Heavy Duty Helmet Chestplate. Je sais pas s'il faut absolument ça ou pas. Je vous avouerai que je ne sais pas du tout s'il le faut. Ah, et d'ailleurs, je vous ai pas montré que j'ai bien relié. J'ai relié la production de charcoal à mon ME. Comme ça, on a du ME en masse. C'est ultra chiant le bruit. 62, 60. Ok, je comprends pas trop ce qui se passe. Charcoal. Vous voyez, j'en ai plutôt pas mal. Et de l'iron. On va se refaire du style. J'en avais refait de toute façon. J'en ai refait un peu. Ok, masse. Je peux m'en faire 8. On va juste se remettre en batte. Qu'est-ce que c'est quoi le bruit là? Ça me saoule. Je peux pas. Il n'y a pas. Il y a juste tout sound. Ça va être Galacticraft, hein, mais. Mais what the fuck un peu. Hein, comme on dit. Donc. Ici, elle est pas tout à fait pleine. Compresseur. Tac. Tac. Oula, non, pas du tout. On va se refaire un peu. On en aura 8. Un en plus, là, je pense pas qu'il m'en reste. Non, il m'en reste pas. On va chercher vite fait le style. Parce que je vous avouerai que ce serait pas mal d'en avoir. Je sais pas du tout s'il faut faire l'armure spéciale en fait. Mais je pense pas, vu qu'on a le masque à gaz. On a tout ce qu'il faut donc. Je pense pas. Je pense pas, mais bon, on sait jamais. On sait jamais. Du coup, à la limite, ce que je fais, c'est que. Je vous reprends dès que c'est. Je vous reprends dès que c'est prêt. Dès que j'ai pas mal de. Dès que j'ai pas mal de style. Et on verra pour la fin de cet épisode. Donc, à tout de suite. Ok, donc on se retrouve, j'ai fait pas mal de style, je suis en train encore d'en faire, on va vite fait se faire donc l'armure en steel plate. Ah non, non, c'est pas. Steel leg name. What the fuck? Pourquoi? Ok, d'accord, c'est pas les mêmes. Alors, est-ce qu'on m'explique ou pas? Pourtant c'est bien du compressed steel, dans du shaft compressed steel. Steel helmet name.
Ouais. Ouais, alors du coup, je sais pas si ça vaut le coup en fait. What the fuck? What the fuck? Parce que ça, c'est un peu de la merde. On va pas se mentir. On va juste se mettre en. Tac, tac, tac. On va se mettre en un petit bonhomme. Ouais, je suis pas très beau, hein. Explorateur de l'espace de ouf. Donc, bon, au pire, c'est pas très grave. Hein. Écoutez, on a notre troisième. Donc, on a trois trucs quand même de. Trois fois d'oxygène tank, donc c'est plutôt pas mal. Donc, ce qu'on va faire maintenant, on va préparer l'expédition. Et en plus, on est bientôt à la fin, donc je vais être méchant et je vais pas. On va pas aller sur la Lune aujourd'hui, ce sera dans le prochain épisode. Donc, on va juste tout poser. On va garder notre oxygène Paxel, ça paraît logique. On va prendre les backpacks. On va les vider. J'ai mis un diamond chest en bas, vous allez voir. On va vider le gros là, celui-ci. Parce que j'ai masse truc dedans et c'est pas ouf, pas utile. Donc on va tout vider histoire de ramener un max de trucs de la lune. Hein. On sait jamais, je sais pas trop ce qu'on peut découvrir là-bas. Donc dans le doute, je préfère être prévoyant. J'ai pas trouvé c'était quoi le bruit. En tout cas, c'est relativement chiant, ça c'est sûr. Ok, on prend tout. On met tout. On prend les steaks. On va repasser en mode pas hard mais en mode chaud. Hop, on pose tout ça. Donc on prend juste ça, ça et ça. Alors on va prendre les sticks parce qu'on va se faire des torches spéciales pour l'espace. À la limite, ouais non. Ouais, ce sac là je vais le laisser, le petit, c'est pas grave. Mon sac de construction, on va le laisser là. On va se faire des trucs spéciaux, donc la glowstone, est-ce que j'en ai? Ouais, j'en ai à masse. On va se faire deux stacks, parce qu'en fait dans la lune, forcément, il n'y a pas d'oxygène. Qui dit pas d'oxygène, dit pas de... Oula, oui, mince, j'en ai déjà assez en fait. Qui dit pas d'oxygène, dit pas de... De feu, donc pas de torches. Donc il faut des torches spéciales, d'où les glowstone torches. Ok, donc on a des torches, on a de quoi... Fighter, tuer des gens. Est-ce que je prends mon épée au cas où? Mon épée, elle est où? What? J'ai dû la mettre là-bas. On va aller voir vite fait. Donc j'ai pris des torches. J'ai mon énergie, j'ai de la bouffe. On va prendre des blocs au cas où. On va prendre... Faut pas de la cobble, on va prendre du bois. On va prendre du bois, ça suffira. Il suffira. Ok, pardon, ferme-la. Donc, on va repasser en mode. En mode bat. Donc, bouffe, torche. De quoi tuer des gens. Faut que je retrouve mon épée quand même. Pas que je tue avec ça. Ça doit être par là, non? Ouais, elle est là. Très bien. On comprend. De quoi casser les trucs. L'épée, la bouffe. On la bouffe, il y en a là-bas. On verra comment ça se passe. Eh ben écoutez, j'ai un backpack qui est plein. On va juste remettre ça au cas où, même si bon, j'en ai masse. Du fuel, j'en ai la masse. Bah écoutez, tout me paraît OP pour le décollage. Donc, je vous retrouve la prochaine fois pour. pour Galactic Craft, mais cette fois-ci, le départ. Le départ vers la Lune. Allez, salut à tous, je vous dis à la prochaine. N'hésitez surtout pas à liker, à partager, à vous abonner. Et à. Attendre patiemment la prochaine vidéo, puisque la prochaine vidéo, ça va être ouf. Allez, salut à tous les amis.